Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Oxygène Not Included. Alors, on avait dans le dernier épisode ici terminé de construire un setup de production d'énergie au charbon automatisé. Donc voilà, la batterie va se charger jusqu'à ce qu'elle arrive à 100% de charge et ensuite elle s'arrêtera. On va ici en profiter donc pour démolir ça. Ici on va démolir ça aussi. Et ça, mettre une porte pour ensuite mettre une station de un poste de contrôle de l'énergie qu'on mettra ici. Voilà. Et ici on va pouvoir placer nos transformateurs électriques qui vont permettre de distribuer ces... Alors là on est à 1200 watts, après on sera à 1800. Alors j'en prévois un de plus hein. Parce que les transfos ils peuvent gérer. Donc ils peuvent récupérer n'importe quelle quantité ici, par contre ils vont délivrer d'énergie. Par contre en sortie ils vont délivrer uniquement 1000 watts. Et ça va permettre de faire des réseaux séparés sans avoir de câbles, enfin de, oui, de câbles électriques qui cassent, parce que les câbles électriques, les premiers qu'on a, sont capés à 1000 watts. Donc on va venir ici et venir se raccorder. Alors pour l'instant c'est très spartiate ce qu'on fait, mais plus tard ce sera beaucoup plus organisé. Et alors on va venir par ici je pense. Tant pis, ça va passer au milieu, c'est pas dramatique. Je sais pas encore ce que je ferai au niveau des réserves naturelles et combien j'en ferai et où elles seront. On va venir ici, tant pis pour l'instant. Et on pourra donc démolir la roue, ces câbles là. Et ça me laissera la place ici pour notre réseau. Tac 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 tac. Ensuite, au niveau de la purification de l'eau, on va venir ici déjà se faire de la place. Voilà. Ce qu'on va retrouver à ce niveau-ci, le purificateur d'eau, que je mettrai plutôt ici d'ailleurs. Les câbles sont en train d'être faits et ça y est, notre pipsqueak est devenu un pips. Et donc là, il va planter... Ouais, attends, j'ai quelqu'un coincé. Oui, bah écoute, t'as juste à faire une dalle si tu veux. T'as du gré là. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté parce qu'il va se coincer aussi, je sens. Et voilà, mince, on l'a raté. C'est pas grave, on va le voir ici. Non. On va plutôt déconstruire ça. Et faire une autre échelle pour lui interdire la plantation ici. Non, ici. Mais quoi que, attends. Bon, celle-ci, je vais l'enlever. On va mettre deux plantes là. Et on mettra de la décoration ici, certainement. Donc, ouais, celle-là, on enlève. Et on va mettre deux plantes ici. Deux échelles ici pour pas qu'il plante, justement. Parce que là, il va vite venir planter, donc ce serait bien que ce soit fait vite. Tac, voilà, là, il est en train d'observer la pièce, voir où est-ce qu'il peut planter. Il va se rendre compte qu'il n'y a que cet endroit, et il va venir planter une graine. Et ça y est, j'avais même pas vu, il a planté. Une fleur velue. On va lui dire qu'il peut venir planter ici aussi. Ouais, dépêche-toi de faire ça. Ah, j'ai oublié le gros câble. Et oui, ça risque de moins bien marcher si je mets pas le gros câble. Parce que là, on n'a plus d'énergie. C'est ça. Bah, du coup, vous voyez, c'est vraiment gratuit cette oxygénation. Alors, de nouveaux imprimables, oui. Ah bah, des graines velues, très bien. Très très bien, je vérifie de ne pas avoir de plantes autour parce que si on a des plantes autour, lui il plante pas. Voilà, très bien, il va pouvoir planter la dernière. Il en reste une, là il en reste deux, ok. On va me remettre raffinage, le broyeur de roche qu'on va mettre ici. Parce qu'à terme il me faudra des bras articulés. Alors est-ce que... Eh oui non, j'ai pas encore le gars. Ouais, ça pourrait être toi. On te fait partir ici après, ouais. Ouais, en plus c'était pas loin. Donc dans quelques cycles on pourra lui faire apprendre. C'est pas grave, on a le vide à faire ici déjà. D'ailleurs on pourrait commencer. Il va nous falloir une pompe à gaz. On peut en mettre deux d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a que du CO2 là. Venir mettre ce CO2 ici.
Niveau des recherches, on va aller chercher les morins. Parce que si je veux les faire, il faut pouvoir les avoir. Qui se trouve. Mais normalement, les allées bras. C'est quoi qui va me manquer? C'est les voilà, chargeurs de convoyeur, rails de convoyeur et goulottes de convoyeur. Est-ce que j'ai. Ouais, j'ai la plaque de pression. Très bien, mais en plus j'ai. Il y en a un qui s'est coincé. Un débile. J'ai la plaque de pression qui va permettre de pallier le fait de ne pas avoir. Comment on appelle ça? Le bac de convoyeur, voilà. D'ailleurs, je l'ai pas, ouais. Parce que pour l'instant, il fait des recherches. Recherches atomiques, je crois qu'il s'appelle ça. Ça se fait avec les radiations. Ouais, atomique, soit spatial, l'autre. Donc voilà, on va pallier ça avec la goulotte et la plaque de pression. Qu'on va mettre ici. Ici, on va pouvoir faire ça. On va creuser un sur deux. Pour qu'il fasse tomber un peu tout ce qui traîne là. Ça évitera de le ramasser. Parfait. Alors, ici, on va pouvoir ramasser ça. Mince. On va mettre tout sauf les liquides parce que j'ai pas de quoi les stocker pour l'instant, les liquides. Ramasse-moi ça en neuf. Va falloir leur faire pardon une pièce récréative, on peut la mettre ici. C'est pour le peu que ça demande, franchement. On verra ce qu'on met plus tard. Ok, ici on va demander. Alors c'est 200 kg l'oreille. Je vais y arriver, le bras. On va refaire 300 kg, donc 6. Ouais. Alors au niveau des compétences, toi, on a dit que tu partais là-dessus. Puis encore deux niveaux. Toi, je vais te filer astronomie, comme ça on pourra peut-être faire du télescope. Ici, on va faire ça, parce qu'il va, il va me laisser l'icône sinon. Donc vous voyez, hop, on fait facilement le ménage. Bon, quoique ça a fait tomber les trucs, donc à voir si finalement c'est vraiment efficace. On va regarder ici. Ouais, en fait... Ouais, non, les ressources tombent. Après, peut-être que comme il construit pas... Ouais, non, si les ressources tombent, donc ça sert à rien ce que je fais. Vas-y. Allez, ramassez-moi ça, que je puisse péter mes échelles. Et commencer à mettre mon panneau parc. Mettre une déco. Ici, on va faire ça comme ça pour mettre une petite goutte d'eau ici. On va simplement mettre une porte pour pas qu'il traverse. Et éviter qu'il me pète le vide. Peut-être faire ça. J'ai laissé une case. Non, on va fermer ici d'ailleurs après. Ici plutôt. Ouais, donc. Non, ça sert à rien ça, j'ai des bêtises. Ici on va refermer. Ça, je sais pas s'ils ont envie de le faire. On va mettre une petite goutte d'eau. Démolition, équipement. Tac, tac. Mobilier, on va mettre donc un panneau parc dès qu'on pourra. C'est-à-dire pas de suite, parce que j'ai fait en 5 et qu'il y a déjà pas mal de choses à faire. C'est un constructeur qui me manque. Ok, super. Un panneau parc, on va le mettre ici. Point de compétence, très bien. On va te donner la construction. Dans les priorités, je crois que je vais mettre construction en 2 aussi. Ouais. On va faire ça. Donc là, on a bien une atmosphère stérile. C'est simplement le fait que ce soit pas réfrigéré qui fait que l'aliment va périmer un jour. Hein. Ici, on va demander liquide, eau, activer l'auto-embouteillage. Et au niveau de l'énergie, on va pédaler, je pense.
pour faire le vide. Ouais, si je pars pas là. Mais d'abord il faut ramasser, on va pas réussir à faire le vide. Très bien. Nettoyez-moi ça. Voilà. Je sais pas si on va y arriver là. Ouais, ils vont pas y arriver. Ils vont pas y arriver. Alors, est-ce qu'on aurait un constructeur par ici? Bah, c'est pas foufou ce qui me... Je pense que c'est magie rocophobie. Ça me fait rire. Ouais, c'est pas fou, bon, on voit l'oxylite. On a bien notre réserve naturelle ici. Vous voyez comme c'est facile de faire des réserves naturelles. J'en ai deux, je peux en avoir autant là que je veux. Je peux en avoir ici. Après, j'aurais peut-être dû planter en haut d'abord. Mais bon, là, on l'a ici, c'est pas très grave. On pourra la refaire. Il suffit de... Quand vous avez défini où est-ce que vous faites vos réserves naturelles, il suffit de commencer par la première en partant du haut et de la droite. Et de descendre. On manque d'eau? Ah oui, tout à fait. Et donc toi, on va pouvoir te démolir. Voilà. Ici, on va démolir ça. On va pas démolir ça, ce qu'on va faire plutôt, c'est une échelle. Par ici. Voilà, ils vont pouvoir passer ici, là, là, et venir ramasser tout ça et construire les câbles. Je vais laisser l'accès ici, comme ça ils évitent de passer ici. Le truc, c'est que comme il n'y a qu'une matière par case, là, le jeu considère qu'il y a de l'eau sur toute la case. Donc le gaz ici ne peut pas passer là. Comme il peut pas passer en biais, bah, il est bloqué. C'est ce qui va nous permettre de faire les vides. On va simplement mettre une roue ici. Une batterie ici. Ah, ça c'est le charbon qui s'est arrêté parce qu'on n'a pas été livré. Je sais pas si j'ai mis une priorité haute sur le charbon, je crois. Ouais. Ouais. Donc là, vous définissez quand est-ce que vos duplicants viennent livrer le charbon. Un pourcentage de charge de la batterie, évidemment. Alors, évidemment, ça sert à rien. Ah oui, donc il m'en faudra une deuxième parce que là on est à 400 watts et là on est à 480. Ok, ah oui, non, là je vais pas pouvoir fermer, je suis bête. Déconstruire, 9, on va la refaire ici. Ok. C'est pas mal la petite luciole, elle fait pousser les plantes de temps en temps. Et donc là, ça y est, on va pouvoir fermer. Et leur dire d'activer l'équipement. Ouais, vous êtes en pause. Alors, si vous êtes en pause, on va devoir aller chercher du chlore. Je pense que là, le chlore, vu qu'il y a de l'oxygène, il devrait rester à peu près en bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une pompe ici. Non, je vais mettre en bas carrément. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai de l'oxygène en plus. On va la mettre là, la pompe. On va faire une échelle, un filtre. Donc on va pomper d'ici, envoyer le chlore dans la base, enfin dans la base, dans le... Mince, dans l'endroit, mince, dans l'endroit où on veut stériliser, je vais y arriver. Tac, voilà. J'ai presque envie de le mettre là. Ouais, je vais le mettre là, comme ça on va mettre plus que les 2 kg maximum qu'on peut évacuer via cette évacuation. Et au moins, il n'y aura que du chlore et pas d'oxygène pollué. Parce que lui, il émet de la terre polluée, enfin il produit de la terre polluée qui émet de l'oxygène pollué. On en est où là? Ah oui, on n'a plus d'eau donc on peut pas terminer la recherche, c'est pour ça que j'avais fait ça. Voilà. Alors, gaz. En milligrammes sur le CO2. Ici, en microgrammes sur le CO2, en milligrammes sur l'oxygène. Voilà, ça va aller assez vite. De toute façon, j'ai pas électrifié encore là-bas.
Et j'ai même pas fait la sortie d'ailleurs, donc gaz. Si c'est pas de l'oxygène, du chlore, tu viens ici. On va définir ici qu'on veut du chlore. Et au niveau de l'énergie, on va connecter justement sur le deuxième là. Et on va juste faire ça, puis ça. Comme ça j'aurai juste à faire le petit trait. Ce sera déjà construit, ça va se connecter tout seul. On a des points de compétences à donner pour Charles. Ah, Charles va pouvoir faire des décorations, on va s'y attaquer dans pas longtemps. Non, je vais te laisser ce chapeau, Charles. Ok, super. Ah, attends, il va me falloir un peu plus de métal raffiné. Parce qu'il me faut un chargeur de convoyeur qui fait aussi 200 de métal raffiné. Qui coûte aussi 200 de métal raffiné. Je pense que je peux arriver jusqu'en bas, voilà. On va arriver jusque là. Des dracos, on en a sur la map, y a pas besoin. Du charbon, ça peut être bien. Sinon, j'ai quoi? Opérer, ravitailler, ça peut être bien. Mais narcoleptique et narcoleptique. Donc, on prend le charbon. Des dracos, y en a. Donc, au niveau des liquides, ça passera ici en sortie. Enfin, non, ici. Ouais, comme ceci. Tac. Tac. Et tu reviendras. On va faire un truc symétrique par là. Je sais pas où on ira après. Peut-être qu'on ira d'ailleurs en dessous. Ouais, je vais peut-être passer en dessous parce que je pense que je vais faire par ici, toilette. Donc non, annule ça, annule ça. Voilà. Ça y est, on est sous vide. Plus aucun gaz ici. Impeccable, donc... Non, on va y arriver. Voilà. Déconstruire. Au niveau des gaz, on démolit ceci. Ceci. Ceci, ceci. Au niveau de l'énergie, on peut démolir ça, on peut démolir ça. Il va falloir ramasser les ressources encore après. Ouais, ça on peut laisser, mais on peut dire de plus utiliser, ça peut servir, on sait jamais. Voilà. Bon, il est pas germé l'oxygène, donc c'est pas un problème, ça c'est bien. L'hydrogène qui a monté. Le CO2 devrait tomber dedans, parce que là il est tout ici, là j'ai plus de CO2, de chlore en fait là. Au niveau des recherches, je pense que je vais aller chercher... Où est-il Voilà, jusqu'ici, le capteur Atmo, on va voir au passage l'unité remplissage de bonbonnes qui permet de faire des bouteilles et le videur de bonbonnes qui permet de les vider. Ça va être utile. Est-ce que t'en es loin? Alors, c'est Travaldo. Ouais, mais encore un petit peu. Juste ça, je pense, pour bloquer les gaz là. Ils pourront passer au-dessus du piquant, mais au moins je suis sûr que tout se barre pas dans la base. Ok, on a le vide, on a ce qu'il faut pour injecter notre chlore. Il va simplement falloir le pomper. Et donc pour ça, il suffit de connecter ici et ici. Et il va me manquer, ouais, ce câble. Ah, on est venu par la mince, oui. C'est vrai, le lien est ici, d'accord. Ça y est, c'est parti, on envoie le chlore dans notre salle, on va espérer de mettre plus que 2 kilos. Au pire, on peut venir derrière, ouais, on va pas avoir assez. On va venir ouvrir là. Ça va permettre aussi de dévoiler la carte. On peut poursuivre les recherches en attendant. Qu'est-ce que je vais vouloir? Peut-être les conduites rayonnantes. Au niveau de l'élevage, j'ai ce qu'il faut. Ou sinon, allons chercher peut-être ça, ouais. Pour commencer peut-être les recherches atomiques. Et même jusqu'ici. Ouais. Je vérifie qu'on n'ait pas besoin d'autre chose, mais je pense pas. Non. Voilà. Déjà, le CO2 va tomber là. Le chlore va monter. On a l'hydrogène qui part ici. De nouveaux imprimantes sont disponibles. Je suis ouvert à un constructeur. Ah, mais éleveur et soigné, ça va pas du tout ensemble.
Construire, porter, combinaison, bien. Voilà, il a plus... Bon, il est très très bien. Bienvenue dans l'équipe, Liam. Et t'es super productif. Welcome. Welcome, Liam. Tu viens ici, Liam. On va te donner ton point de construction. Te dire de construire et d'excaver. Et je vais vérifier, mais je crois qu'on a... Ouais, on peut activer les chefs-d'œuvre pour notre ami Charles. Qui va donc avoir le droit de sculpter ces deux blocs. Et on est ravis. Et d'ailleurs, c'est pas un succès. Ah non, c'est une toile de maître le succès. Bon, on a toujours encore un peu de chlore qui arrive, on est à combien? Alors, on est à 300 grammes, c'est pas énorme. C'est ce qui va permettre de stériliser l'eau polluée de nos toilettes dans les cuves. Enfin, n'importe quel liquide même dans les cuves. Mais pour nous, ça va être les toilettes. Alors, on a plein de recherches. Vous voyez, au niveau d'oxygène, hein, depuis que j'ai enlevé le diffuseur d'oxygène, on n'a aucun souci. Ça produit assez. Quand on verra qu'on passe au-dessus des 2 kg par case, on mettra un capteur atmosphérique ici et qui définira l'ouverture ou la fermeture des portes, c'est-à-dire l'activation ou la désactivation des terrariums d'algues. Est-ce que Mima, Mima, on va te dire que tu peux transporter un peu plus. Toi, tu es le livreur, on aimerait que tu deviennes opérateur mécatronique, ingénieur mécatronique. Parce que pour l'instant, on peut mettre les choses, mais on peut pas les construire. Ah, d'accord. Dommage ça. Alors si je te mets là... Non, si je te mets... Ici... Je vérifie parce qu'il va me falloir... Oui, quoique, non, là c'est pas mal. Il va me falloir un chargeur de convoyeur, qu'on mettra ici, pourquoi pas. Une goulotte de convoyeur pour livrer le sable. Ah non, j'ai des bêtises. La goulotte de convoyeur, elle est pas là. La goulotte de convoyeur, il faut qu'elle soit ici. Pour tomber là-dessus. Elle a bientôt un kilo. Et donc, du coup, là, on sort la terre polluée. Et là, on injecte le sable. Et on définit l'activation ou non de ceci via la pression qu'on va avoir ici. Avec un pont. Ouais, j'ai pas calculé, il me fallait deux chargeurs de convoyeur. Est-ce que... Ouais, voilà. Coincé. Oh, bah très bien. Venir de me démolir les échelles hein, si t'es coincé. Super les gars. Nouveau duplicant, non, un pips, parfait, ça nous accélère les plantes ça. Alors, on n'a pas grand chose à faire ici qu'attendre qu'on ait les 2 kg de gaz. Donc on va... Est-ce que j'ai... Non. Alors au niveau de la recherche, on va aller chercher les barres de pompiers. On va pouvoir commencer à faire les étages ici. Alors j'ai pas mal de granit, on pourrait utiliser le granit pour commencer là. Pourquoi pas. Là je suis engrais mais c'est pas grave. T'as les toilettes, je vais le mettre à ce niveau-là, comme ça il y a une chance qu'il passe par là. Et je mettrai les douches ici certainement. Non, ici plutôt. Ouais. Douche, toilette. Donc, déco, porte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mur de fin, ouais.
Ouais, c'est ça. Normalement, on est bon. Puis on peut mettre des dalles ventilées. Ici, on ferme. Et au niveau des liquides, on va aller chercher les toilettes. On va aller chercher au niveau des soins les éviers. Voilà, très bien. Et on va se laisser là pour cet épisode. Je suis en train de faire ma miniature là. Hop, voilà, là on est pas mal. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous avez appris comme d'habitude quelques petits trucs. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils ou des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Salut à tous.